que les téléspectateurs de Bantu ne sont pas des personnes jalouses. Ah, franchement, est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon? Non, il est bon. Israël. Mais il y a la commune dans ce matin. On a coupé net là où il ne fallait pas ça couper. Partit. Mais elle était en pleine jouissance. Là où il ne fallait pas couper, on a coupé. Robert est méchant, franchement. Donc tu étais en pleine jouissance et on a coupé. Dès que donc ça le mignon, il a coupé le mignon. C'est pas bien. C'est pas bien. Gaël a dit que non, Roméo, tu ne peux pas me faire. C'est ma partie, c'est ma c'est chanson. C'est pas lui qui a coupé, c'est la réalisation qui a coupé cette chanson. Oui, mais la réalisation, c'est qui? C'est une équipe. Ok. Ah bon? Oui. Okay, franchement, arrêtez d'accuser faussement des gens. Tant mieux alors. Ouais, c'est pas lui, le mec là, il n'est pas comme ça. D'accord. Et à la tête de la réalisation, il y a qui? Il y a Kiki. Bah, nous sommes ici. Amen. Oui, vraiment, elle est la TikTokeuse la plus populaire de sa génération, selon moi. Mm. Elle, c'est la poupée du Togo. Et il faut dire qu'il y a un jeune collaborateur à moi qui m'a fait tomber amoureux des différentes vidéos de cette jeune fille. Je pensais qu'elle était au Togo. Mais de temps en temps, quand j'écoutais... les parlances camerounaises, je dis, mais attends, togolaise, camerounaise, ouais, et ouais, c'est le charme et tout. Je dis, mais est-ce qu'elle est camerounaise, est-ce qu'elle est togolaise? Et le petit m'a dit au bureau l'autre jour, non, elle est camerounaise. Ouais. Et là, on est entré en contact avec elle, la voici sur le plateau, la poupée du Togo, bienvenue sur Bantu. Merci. Comment tu vas? Je vais très très bien. Bienvenue. Merci. Soulève un peu le micro. Merci. C'est quoi le truc? Je suis timide. Je comprends. Moi-même, je suis timide. Hein. On va s'intimider. C'est vrai que moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi la poupée? Non, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Tu as monté le doigt. Attends, je réfléchis. J'ai choisi. Tu as le. Oui, j'ai la question. Non. Ok, c'est toi. C'est toi. Non, c'est non. C'est Amen. C'est oui, oui. Amen, c'est toi. Je te ramène là-dedans. Je voulais faire la combine. Je voulais faire la combine. Alors, pourquoi la poupée du Togo alors que vous êtes camerounaise? Bon, la poupée du Togo, c'est parce que je suis togolaise de père. D'accord. Et camerounaise de mère. D'accord. Vous avez compris. Donc, voilà. Donc vous êtes... Togolo-camerounaise. Togolo-camerounaise. Oui. Togolo-camerounaise. Togolo-camerounaise, oui. Ok. D'accord. C'est pourquoi vous vous appelez la poupée du Togo. Gaël, ta question. Voilà. Non, c'était même pas une question, c'était une remarque, sénateur. Okay. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment elle peut dire qu'elle est timide, alors que dans toutes ses vidéos... Elle est hot. Mais elle est seule, elle fait ça seule. Non, c'est devant là, la, je suis à la maison, je suis devant mon téléphone, il n'y a personne devant moi. Mm-hmm. Mais sinon, à la base, je suis une personne très, très timide. Mm-hmm. Bon, et maintenant, et la romantique question. Aussi. Parfois. Bon, maintenant, ma question. Est-ce que tu as un problème en particulier avec les femmes? Non. Je n'ai pas fini. Oui, vas-y. Parce que toi qui dis voilà, que tu es célibataire voilà, et fier de l'être là, non, c'est parce qu'on ne te drague pas. Tu as fait le dessus. Mais attends un peu, on peut être célibataire et fier de l'être alors qu'on drague. Non, elle n'intervient pas l'être. Elle a l'impression qu'elle a un problème avec les femmes. J'ai pas envie de dire avec les filles célibataires. Deuxième, elle a dit que tu dis que je suis célibataire et à mon âge les filles se marient. Toi aussi à ton âge les filles meurent. Qu'est-ce qu'elle parle? Ça c'était la deuxième vidéo. Oui. Et après maintenant. Il y a une troisième vidéo où encore elle insulte les. Je sais pas si elle a un problème avec. Est-ce que tu as un problème avec les filles ou les filles célibataires? Est-ce que tu as un problème particulier? Plaît, réponds, alors que la poupée répond. Est-ce que tu as un problème particulier avec les femmes? Je n'ai pas de problème avec les femmes. Oui. Je dis juste ce qui se passe. On vit ça tous les jours. Mm-hmm. Donc on voit ça, les jeunes filles. Tu vas voir une fille, elle est frustrée et tout. Mais elle fait genre, oui, je suis célibataire. Fille, tu n'es pas célibataire, ma soeur. On sait que ça te fait mal. Qui a cette personne qui aime le célibat? Personne. Tu sais que ça fait mal, non? Okay. Et les mamans aussi au quartier qui sont là tous les jours que tu te maries quand mon frère. À son âge, elle-même peut mourir parce que ses égos sont en train de mourir. Mais la nature n'a pas encore décidé qu'elle meurt. Voilà, la nature aussi n'a pas encore décidé qu'elle me marie. Okay. C'est comme ça. Dans notre vidéo, on a dit que tu bois le champagne. Une fille qui boit du champagne doit avoir au moins 70 000 dans son sac. Mon frère, si un gars m'invite pour aller boire du champagne, est-ce que j'ai besoin d'avoir 70 000 dans mon sac? Tu as besoin d'avoir. Si le gars fuit, il te dit que moi, je m'en vais répondre. Si il fuit, tu fais comment? Il m'a invité. Tu te rassures. Non, mais franchement, attends. Non, mais réponds. Le gars peut fuir.
Nous sommes d'accord, non? Mm-hmm. Les gars font ça, non? Qui a commandé? Mais est-ce qu'on peut regarder qui a commandé? Tu étais avec le gars. Même si c'est lui, tu étais avec lui, non? Mais on connaît dans les anciennes tactiques où je vais me lever pour aller pisser. Donc si tu veux te lever pour aller pisser, allons. Il peut même arrêter un mauvais téléphone. Il peut rester là, tu crois que. Il te dit même que je m'en vais venir. Il laisse même son téléphone, un faux téléphone. Est-ce que tu vas savoir qu'il est parti? Non, mais après, j'ai apprécié cette vidéo-là parce que c'est vrai. Non, sénateur, sérieusement, c'est important de sensibiliser les femmes. Si il y a eu des filles qui se sont retrouvées dans de sérieux problèmes, si vous allez par exemple dans un restaurant, c'est important d'avoir de l'argent sur vous. On ne sait jamais, vous n'allez pas aller dans un restaurant. On connaît des histoires ici où des personnes sont allées dans des restaurants et arrivées au moment de payer la facture. C'était compliqué. Ils ont dû faire des kilomètres, des centaines, enfin, des dizaines de kilomètres avec des poids lourds aux épaules parce qu'il n'y avait pas là, il n'y avait plus d'argent. Non, tu ne vas pas parler des brochettes. On ne va pas arriver là. Non. Le sujet, Amel, avant ta question, de regarder cette courte vidéo, best of de la poupée du Togo. On regarde. T'embrasser, tu refuses. Ma soeur, tu refuses pourquoi? Tu refuses pourquoi? Donc toi-même, tu sais que pour ton pays, bah là, c'est gâté au ciel. Toi-même, tu as peur de tes fesses. Ma soeur, laisse le chang. Va te laver. Faut laisser la poudre. Que oh, il est tellement drôle, putain. Eh ouais! Oh oh! Donc tu ne sais pas qu'un gars drôle, on ne s'amuse pas avec lui. Après, ça va devenir des pleurs partout au quartier. Coco n'était pas sérieux, il voulait seulement les fesses. Ma soeur, un gars drôle, c'est que Mbindi blague, pap, une fois que tu ris, tu écartes les pieds, il n'est pas là. Que... Oh, vous de... Et comme ils savent que vous aimez ça, pardon, laissez le chanvre. Les gars drôles, ne vous amusez pas avec eux. Ce sont les gars, non, le gars, ils ont le cerveau. Ils savent que tu ris, tu écartes les pieds. Moi, il a dit, il part. Koho, il m'a demandé les fesses au premier rendez-vous, ce n'est pas un gars bien. Oh, quand toi tu demandes l'argent au premier rendez-vous, là tu n'es pas matérialiste. Ma soeur, la vie c'est le donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne, c'est le troc. C'est comme ça maintenant et en plus c'est même la meilleure façon. Tu sens bon, je sens bon. Laissez-moi vos choses que vous fumez le chanvre partout là, Koho. Machin, machin, machin. Quitte là-bas avec ça. Koho, bébé, je suis mariée mais je veux qu'on aille nager. Ta femme n'aime pas l'eau. Ou bien elle est hydrophobe. Donc je suis ta mamie Wata, c'est moi ta sirène. Tu aimes marier, mais tu aimes les choses du dehors. Salopard. Que oh, je ne peux plus aimer un homme. Je ne peux plus donner mon cœur à un homme. Qui t'a demandé ton cœur? Qui t'a demandé ton cœur, ma soeur? Garde ton cœur, donne les fesses. Que oh, je l'aime bien, mais je ne peux pas me mettre à cheval. Eh ouais! C'est comme ça maintenant. D'accord. Ta petite soeur de 17 ans va le récupérer dehors, avec la gorge profonde. Vous allez respecter. Savoir faire la vaisselle, savoir faire la cuisine, savoir tenir une maison, c'est bien. Mais il faut aussi savoir faire l'histoire là. Il faut... Ne fais pas cheval, hein. Ne fais pas. Ta petite soeur va le récupérer, qu'aux positions de l'oiseau effrayé. Tu vas comprendre. Laissez le chanvre là prendre les positions, vous ne voulez pas. Allons-y. Ma chérie Laetitia Eumène, j'espère que tu vas bien. Quand on est jolie, on se comporte comme une fille jolie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Tu dis que je me comporte comme une fille mal éduquée. Ma chérie, je suis très très mal éduquée. Comme tu me vois là, il y a le quartier, il y a au moins 25 personnes dans mon corps. Donc si tu viens mal, je vais très mal t'appliquer. Mais je n'entre pas dans cette optique là. Tu comprends? Je ne sais pas ce que vous avez à détester une personne que vous ne connaissez pas. En plus, je n'attends même pas de l'amour venant de toi. Déjà que, figure-toi que je suis appréciée et aimée par des milliers de personnes que je ne connais même pas. Donc, quand tu vois un truc qui ne te plaît pas ou quelqu'un dit un truc qui ne t'arrange pas, père, tu swipes. Je ne suis pas ici là pour dire des trucs qui vont te faire plaisir parce que tu ne me sers absolument à rien. Je dis ce que je veux et je dis ce que je pense. D'accord? Bisous. Les gars, écoutez-moi très bien. Toutes les femmes sont fontaines. C'est un secret que vous donne aujourd'hui. Ne me payez pas, ne dites pas que j'ai demandé quelque chose pour ça. C'est gratuit. Je vous dis ça genre comme ça là. Toutes les gosses sont fontaines. À l'intérieur du cocorico, il y a une viande là, au fond.
Il faut dire que ce n'est pas toi. La dernière personne qui parlait là, ce n'est pas toi. Et tu as quoi contre cette Laetitia Lemaine? J'ai souhaité qu'on joue jusqu'à la fin pour voir ça. C'était quoi le problème? Je ne connais même pas déjà la Laetitia là. Mais tu fais quand même une vidéo pour elle, non? Oui, j'avais fait une vidéo, je ne sais même plus de quoi je parlais. Elle est venue me dire que j'ai les comportements des filles mal éduquées. Et tout, c'était monté dans mon cerveau. Là où il va l'arrêter, la Laetitia là. En tout cas, je ne sais pas. Mais c'est pas resté sur les réseaux sociaux. Non, là où on va se croiser là. On va voir ça. Non, tu n'es plus timide quand ça concerne ta personne. Non, je bagarre d'abord. Je bagarre beaucoup même. Et là, what's your force? Alors, dites-moi, la poupée du taureau, comment vous vous retrouvez à faire les TikTok? Les vidéos. C'est vrai que c'est l'actualité, hein, c'est dans l'air du temps. Mais d'où vous vient justement l'idée de mettre... d'embrasser ces réseaux sociaux chinois? Déjà, je voyais souvent ça, je voyais souvent mes amis utiliser ça et ça me plaisait bien parce qu'elle imitait souvent certaines personnes et tout. Un jour, je décide de télécharger ça parce que je m'ennuyais. J'ai commencé à imiter les gens, j'imitais les gens comme tout le monde fait sur TikTok. C'est en mars, là, dernièrement, que j'ai fait une vidéo où je parlais des femmes qui veulent se comparer aux hommes. La vidéo l'avait beaucoup percé. Tu avais dit quoi dans cette vidéo? J'avais dit que les femmes qui aiment se comparer aux hommes, là, aller aussi faire un enfant dehors sans qu'on le sache. Ah oui, je connais cette vidéo. Donc la vidéo là avait tellement percé, j'ai dit, ah d'accord, donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça que je commence à faire des tu vidéos. Tu as combien d'abonnés sur TikTok? J'ai 175 000 abonnés. Et ça donne droit à quoi? Tu monétises ça? Bon, TikTok déjà ne... monétise pas. Au Cameroun, pas encore. Mais sur les autres réseaux, quels sont les différents réseaux où tu es présent? Facebook, YouTube. Combien d'abonnés sur Facebook, sur ta page? Je ne connais même pas. C'est mon manager qui regarde, je ne connais pas. Donc tu monétises déjà Facebook? Mm-hmm. Et YouTube déjà aussi? YouTube pas encore, mais Instagram déjà aussi. Tu monétises Instagram? Combien d'abonnés sur Instagram? Il y a comme 6 000. Je ne connais pas. Elle est tellement populaire sur les réseaux sociaux. Mais, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la TikTokeuse la plus populaire, il faut le dire au Cameroun aujourd'hui. La poupée du Togo. Mais en dehors de TikTok, est-ce que tu fais autre chose dans la vie ou alors ce n'est que ça? Bon, en dehors de TikTok, je suis d'abord esthéticienne et restauratrice. C'est vrai que je ne fais pas trop dans ça, mais je suis esthéticienne. Donc, quand j'ai un peu de temps libre, parce que mon salon est en chantier, ça sera après peut-être d'ici la fin du mois, quand j'ai un peu de temps libre, je fais des TikTok et tout. Parce que derrière ça, ça c'est l'argent. Hein. Alors, je pense qu'Amel a plus ou moins emprunté ma question. Je ne vais pas dire voler ce matin, c'est pas bien. Elle a emprunté ma question. Non, j'ai lu dans ton esprit. Voilà. Mais, comme elle a emprunté, là, elle va rembourser. Hein. En argent. Donc moi, je veux savoir, lorsqu'on est TikTokeuse, et tout à l'heure, tu as parlé de manager, est-ce que c'est un métier, je ne sais pas si je vais dire formel, au point d'avoir un manager, avoir une équipe managériale? Parce qu'il y a les spectacles, on fait les spectacles, quand on est un manager, ça se manage comment? Juste au niveau de la monétisation, je pense que c'est l'essence de sa question. Bon, déjà, quand tu as déjà beaucoup d'abonnés, forcément, beaucoup de personnes t'appellent pour les publicités, les placements de produits et tout. D'accord. Et tu ne peux pas gérer ça seul. Donc, quand c'est l'artiste même qui parle de son business, ça rabaisse un peu. Et gérer les pages, là, c'est pas souvent très évident. Donc, c'est préférable d'avoir un manager qui va gérer tout ça et te rendre compte. C'est mieux. Comment est-ce que tu gères ta semaine concernant les vidéos que tu fais? Tu fais combien de vidéos? C'est par jour ou bien tu décides de faire, par exemple, 3 vidéos par semaine et tu laisses tomber, ou alors tu dis bon, chaque jour je peux produire 2 vidéos que je vais poster? Comment est-ce que ça se passe? Au début, je faisais juste les vidéos quand un truc venait dans ma tête, je disais ce que j'avais à dire et puis je passe. Mais maintenant, j'ai un planning assez serré parce que je travaille avec certaines entreprises dont j'ai des vidéos à donner toutes les semaines. Donc chaque semaine, je suis obligée de faire les vidéos pour faire les publicités, les gens, les placements de produits et tout. Donc, un peu. Il y a une autre vidéo best-of, deuxième partie, qu'on va proposer
aux téléspectateurs, à toi aussi, hein, parce que si tu regardes souvent tes vidéos. Parfois. Parfois. Ok, regarde encore souvent, tout ce jour. Pendant que toi tu écris pour dire que bébé, s'il te plaît, n'oublie pas l'argent de la perruque que je t'ai demandé. Une autre est en train d'écrire pour dire que bébé, n'oublie pas l'argent du projet dont on avait parlé la dernière fois. Après, quand l'homme va quitter l'inutile ou l'utile, ça sera les pleurs partout au quartier que wow, wow, les hommes sont ceci, les hommes cela. Mais quand vous n'aimez pas alors la vérité là, fâchez-vous comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Il faut laisser le champ. On vous parle, mais le diable ne fait que... Il faut réfléchir avec la tête. Les filles, réfléchissons avec la tête. Koro, B ne va pas bien, elle a besoin d'un peu d'espace et tout. Eh ouais, mon frère. Oh, elle n'a pas besoin d'espace, papa. Elle a un nouveau gars. J'ai besoin qu'on prenne un peu du recul. J'ai besoin d'espace et tout. Je veux mieux réfléchir. Elle ne veut rien réfléchir, mon frère. Elle a un nouveau gars. Hé, hey, la guerre. Et tu vois comme ça que vous êtes. Quand un nouveau gars t'embrouille derrière la tête, tu commences à dire que oh, j'ai besoin d'espace. Tu n'as pas besoin d'espace, ma soeur. On sait, tout le monde, tout le quartier en parle. On sait que tu as un nouveau gars. Mais comme vous n'aimez pas alors la vérité, là, fâchez-vous comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Parce que dès qu'on vous parle, c'est que oh, c'est rien, je maîtrise. Le diable ne fait que... Il faut laisser le chanvre, ma soeur. Tu as un nouveau gars, tout le monde sait ça. Ko, tes égos sont en train d'accoucher, tes égos sont en train de se marier. Toi, tu attends quoi? Eh ouais! C'est comment? C'est comment avec la brutalité, c'est quoi? Toi-même, tes égos sont en train de mourir. Tu attends quoi? Tes égos sont en train de mourir. Pourquoi voulais-tu frustrer les gens? Est-ce que le mariage ou l'accouchement, c'est la course? Ce n'est pas la course. Laissez-nous. Laissez-nous. Que oh, tes égos sont en train d'accoucher. Toi-même, tes égos sont en train de mourir. Parce que dès qu'on vous parle, c'est que oh, c'est rien, je maîtrise. Il y a une catégorie. La poupée du Togo. Et c'est aussi tes histoires, n'est-ce pas? Quand tu fais ça, il faut en que fait, le gars sache que tu as un nouveau gars. Non, pas. Comment ça, pas toi? Tu es une femme, non? Pas moi. Okay. Mais tu connais bien ces histoires-là. Mais parce que je faisais ça, non? Tu ne fais plus. Parfois, je m'adresse à moi. Mais... Oui. Parfois, je tu décris ton moi. Comportement. Et tu sais parfois. Que la plupart des filles font ça. Oui, mmh. Oui, oui. Toute la nouvelle génération, là, on fait ça. Il y avait un peu de temps, vraiment l'espace. Son espace, ça, c'est pour s'occuper de l'autre gars. De l'autre gars. Mmh. Mais est-ce que tu sais qu'à un moment, par exemple, avec cette vidéo précisément, la vidéo de l'espace, est-ce que tu ne t'es pas dit que ça pouvait créer un réel problème dans un couple? Parce qu'il peut bien avoir un couple qui a un problème, je sais pas, la demoiselle ou le jeune homme demande de prendre du recul. Oui. Oui, mais sans toutefois vouloir aller voir ailleurs. Mm-hmm. Oui, sans vouloir mettre un thème et puis chacun se dit, ok, elle avait dit, donc c'est ce qu'il veut faire. Est-ce que tu n'étais pas dit mon frère, ce qui se passe derrière la maison, ça ne me concerne plus. J'ai dit ce que j'ai dit. Si vous voulez vous tuer là-bas maintenant, tuez-vous. Hein. Moi, je suis plus dedans. Qu'est-ce que m'a dit? Et ton entourage, qu'est-ce qu'ils disent quand ils regardent ce vidéo? Ils se sentent beaucoup concernés, donc oui. Ils aiment tout ce que je fais. Et les gens t'attaquent trop? Parce qu'on a vu avec Laetitia là, est-ce que tu as des gens comme ça qui t'attaquent trop? Ça ne peut pas manquer. Il y a tout le temps les avec, gens avec violence, je veux dire. Avec violence, ils savent que moi, j'ai d'avoir la force physique. Donc, si tu viens très mal là, je vais t'appliquer. Mais généralement, les mauvais commentaires, je ne réponds presque pas. Okay. Laetitia là, c'était seulement... Je voulais la rendre star, vraiment. Elle peut utiliser ça pour avoir beaucoup d'abonnés. Hein. Je crois qu'elle avait eu beaucoup d'abonnés parce que la vidéo l'avait fait plus de 500 000. Parce qu'on a fait un élément ici sur Potem de Stade du Corps, on parlait de Kofi Olomide. Oui. Avec Mida la Terreur. Et elle a pris cette vidéo. On était étonnés, on était au bureau, on veut regarder YouTube, on voit Mida la Terreur qui a pris Bantu. Il est congolaise, elle est influenceuse congolaise. Elle dit que voilà, on parle de moi au Cameroun, alors qu'on était en train de condamner son attitude. Donc, les gens sont comme ça. Mais comment vous définissez-vous aujourd'hui? Influenceuse? Entrepreneur? Entrepreneur? C'est quoi influenceuse? Attaqueuse? TikTokeuse? Bon, pour moi, je reste dans le cas de TikTokeuse, influenceuse et autres là.
Mais quand tu fais déjà la pub, c'est-à-dire que produit, tu influences, oui, tu as quand même une base, une bonne base. Mais pour moi, dans ma tête, c'est pas trop ça. Parce qu'au début, quand je faisais la vidéo, c'était pas pour devenir star. C'était par plaisir. Je faisais juste comme ça pour le plaisir, juste que... Ça t'a rendu star aujourd'hui et ça te donne de l'argent. Il y a trop de dragueurs aussi, n'est-ce pas? Il y a des dragueurs, mais on fait comment? Et avec les autres, comment tu réponds? S'il te plaît, Gaël, peux poser ma part de questions. Je suis très actif sur TikTok aussi, mais bref, tu vas prendre les coups chez elle. Oui. Comment tu réponds à ce gars-là? Il ne répond même pas, papa. Il ne peut pas moi répondre. Non, tu veux m'écarter, tu commences à m'appeler papa. Hein? Okay. Ça va alors? Non, il te dérange. Tu réponds même pas. Non, je ne réponds pas. Qu'est-ce que tu peux dire à la jeune fille camerounaise aujourd'hui qui te prend pour modèle? Parce qu'on voit une fille qui est en train de défendre les hommes, il faut le dire, critiquer beaucoup plus les femmes, l'attitude des femmes. Tout ce que je peux dire, c'est comme je dis toujours dans mes vidéos, qu'il faut travailler, il ne faut rien attendre de quelqu'un, que ce soit de la famille ou de l'homme ou je ne sais pas trop quoi. Il faut travailler pour avoir son propre argent. Ton argent même, le gars te respecte. C'est ça, non? Donc, j'ai 50-50. Toi, quand tu vas au restaurant avec ton gars, qui paye la facture? Parfois c'est lui, parfois c'est lui. Quand je décide d'inviter mon père, mais quand c'est lui qui m'invite, il peut arriver là-bas, il n'a pas l'argent. Il fait comment? Il m'invite alors qu'il n'a pas l'argent. Oui, parce que tout à l'heure, tu as parlé du cas de. Mais j'ai d'abord l'argent sur moi. On ne sait jamais, il peut disparaître là-bas. Donc, mais c'est ton gars, non? Vous faites une base ensemble. Il va disparaître. Si, non, je dis que si tu dis que je n'ai pas l'argent. Non, s'il n'a pas, je peux gérer. Ok, tu gères. Oui. Là, je gère. Les gars, les filles, vous avez compris, non? Je peux gérer. Comportez-vous aussi comme elle. Vraiment. Et on te retrouve comment? C'est la poupée du Togo simplement. Facebook, Twitter, Instagram, tout TikTok. Tous mes comptes, toutes mes pages, c'est poupée du Togo. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui utilisent tes vidéos sur les chaînes? Ils prennent tes vidéos, ils publient sur les chaînes YouTube. Oui, on m'a parlé de ça dernièrement. C'est même parce pour ça que j'ai... Qu'est-ce que tu comptes faire avec ton équipe? Parce qu'il y a pas mal de vidéos sur différentes chaînes YouTube qui t'appartiennent, que des gens publient. J'ai parlé de ça à mon manager. Il a dit qu'il va essayer de gérer ça. Donc, pour le moment, il ne m'a encore rien dit. J'attends aussi. Moi, je ne savais même pas, c'est récemment qu'on m'a dit que beaucoup de personnes utilisent mes vidéos sur YouTube. Quand tu t'assumes pas du tout, mais ça s'affiche. Oui. Il y a des chaînes pêle-mêle qui utilisent tes vidéos, ils font des compiles. C'était un plaisir de t'avoir sur Bantu ce jour pour les Togo. La timide. Et du courage. Hein. Merci beaucoup. Du courage et on espère que d'ici peu ça rapportera encore plus. Non, elle est en train de finaliser avec son salon, tu comprends quoi? Oui, c'est ça. Non, elle a dit que son salon. Elle est restauratrice, mais elle a un peu. Mais elle va finir avec son salon. Après, elle va construire son restaurant. C'est de ça qu'il est question. Tu vas faire les deux. Ah, je comprends. Mais tu sais que tu es un peu fréquenté. Hein. Comme quoi, on peut sortir du cadre de TikTok, des réseaux sociaux. Il faut utiliser les réseaux sociaux utilement. Voilà, utile, c'est important. Et investir ailleurs. Oui, parce qu'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux uniquement pour insulter les autres. Attaque X, Y, elle m'a fait ceci, Banto a fait tous les jours, c'est la même chose. Pendant ce temps, les gens sont en train de travailler de l'argent sur les réseaux sociaux. Et si tu pars au Nigeria, j'ai eu un reportage là-bas où une fille est dans sa chambre. Si elle est venue faire un reportage, elle est milliardaire en aéra aujourd'hui. Parce qu'elle fait des placements, des produits, des filles. Je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Elle va peut-être nous trouver ce nom-là de cette influenceuse. Linda Ekedji. Linda Ekedji qui est blogueuse, influenceuse, TikTokeuse, elle est tout. Donc c'est possible. Regardez la poupée du Togo qui reste chez elle. Elle fait des petites vidéos et aujourd'hui, les entreprises la sollicitent pour faire la publicité, pour communiquer. Donc ça lui donne de l'argent. Elle monétise déjà Facebook parce que les gens ne savent pas. Je suis sûrement sur Facebook pour insulter les gens, pour faire rire, pour poster les fesses et tout ça, n'importe quoi. Alors qu'on peut se faire de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont 2 millions par mois, je raconte. Oui, c'est pas n'importe quoi. 2 millions par mois sur Facebook, parfois 3, dédiés au Cameroun ici. Sur YouTube encore, c'est grave. Donc, il faut monétiser vraiment et arrêter d'aller saboter, d'insulter les gens sur les réseaux sociaux alors qu'on peut. Parce qu'il y a des gens, quand ils écrivent à mail, il y a même 1000 commentaires, parfois 3000, 40 000 commentaires. Des partages et tout. Mais son travail, c'est seulement insulter les gens. C'est ce qu'il sait faire. Il ne se dit pas que, mais, can I monetize it? Can I use it to make money? Faire de l'argent. Hein?
On a des jeunes aux États-Unis et en France qui sont multimillionnaires aujourd'hui à cause de, ou grâce aux réseaux sociaux. So you can use it for the betterment or economic betterment of your family, yourself, the social network. It's very important. Thank you so very much. La poupée du Togo. Ça t'arrive aussi de danser, non? Tu veux? Il y a Flevo qui a chanté avec Fali Poupa de Cabla Merveille, El Marabiouche, El Marabia, El Bepube de Hero, El Phénomène. Flevo, tu connais? Fali Poupa, tu connais? Diamond Platinum, tu connais? Oh, le trop enchanté. C'est le bonheur, c'est du Ndumbolo. On regarde.